tout ce que je suis dans une infinie douceur. La seule réalité qui soit ici. Alors, tout ce qui n'est pas ici à l'instant fait partie du film. Et le film fait aussi partie de ça. Il est aussi inclus dans ça. Après, tout est une question d'interprétation de tout ça. Parce que la vie, elle reste la vie, et c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on peut imaginer. Parce que quand je dis ça, je sais que ça peut comme susciter beaucoup de choses, mais en fait, la vie, c'est tellement simple. On est toujours juste à une seule pensée près. Et une seule pensée, quelquefois même une odeur ou un son, peut nous faire basculer dans tout un cinéma, tout un film. Mais on voit bien que ça peut partir que d'ici. Visions-là, oui, même, oui. Parce que, tu sais, après, la vie, c'est ça, la vie, elle est si simple. Quand je dis ça, c'est que la vie se vit. Et c'est pas, l'idée, c'est pas d'arrêter de vivre, au contraire, c'est de mordre dans la vie encore plus. Mais sachant que c'est un film qui est en train de se passer, que c'est pas... que ma vie n'en dépend pas. Mais nous, on va tellement mettre l'identification sur l'histoire qui est en train de se passer qu'on oublie qu'on est ce qui précède l'histoire. Est-ce que c'est clair? Et c'est pour ça que je trouve que la vie, après, elle est encore plus goûteuse. Parce qu'il n'est pas question de se retirer de la vie, puis de se retirer de l'expérience, mais d'aller goûter l'expérience dans cette conscience-là que je ne suis pas tout ça. C'est difficile à mettre des mots, hein? Mais moi, je trouve que ça m'invite à vivre encore plus la vie, à expérimenter, à aller dans l'expérience, à pas être frileux. On est dans la vie, on est dans ce vivant, alors on a besoin d'aller dans ce vivant avec tout ça, mais dans cette conscience que c'est un jeu qui est en train de se jouer, que c'est un film, je sais, je joue un film et je sais que je suis en train de jouer un film. Alors, je joue mon rôle parfaitement, mais il y a comme une espèce, tu vois, de sourire de ça, de dire, ah ouais, je vais jouer mon rôle à fond. Mais il y a ça qui sait que ça joue son rôle à fond simultanément. Fait que ça regarde ça et ça dit, wow, vraiment... tu as été à fond. Et des fois, là, on ne se rend pas compte de cette expérience-là. Moi, je me souviens quand j'avais 30 ans, j'ai vécu une circonstance assez difficile, amoureusement. Puis je me souviens, je suis au bord de la rivière, puis je vis une colère, mais une colère énorme envers mon amoureux de l'époque. Et puis, je suis tellement dans ma colère, tellement fort dans ma colère, avec toute son intensité, que je me suis vue, c'est comme s'il y a quelqu'un qui voyait ça faire ça. Et ça ici, qui voyait ça faire ça, était mort de rire. Je voyais cette colère se faire, mais j'avais comme conscience qu'il y avait cette colère-là qui se faisait et que je n'étais pas cette colère-là. Mais cette expérience-là, elle m'a tellement marquée. Parce que ça permet de voir justement que c'est quelque chose qui est en train de s'expérimenter. C'est comme j'ai eu l'occasion à ce moment-là d'expérimenter cette colère-là, tout en sachant au moment où ça se passait que ça n'avait rien à voir avec ce qui était en train de se passer en fait. Que,
qu'à la fois il y avait libre de cette histoire qui était là, qui se passait. Et pourtant, je vous jure que l'histoire qui se passait était vraiment vraie, c'était réel. Et c'était réel dans le film, c'était réel dans l'histoire, puis on a tous connu ça, qu'est-ce que c'est. Et pourtant, aujourd'hui, on sait, avec le recul, avec le temps, qu'on peut revoir cette histoire-là, puis en rire. Puis se dire, mais finalement, ça a été une expérience extraordinaire dans ma vie. Mais je vous jure qu'au moment où ça se vivait, c'était loin d'être extraordinaire. C'était un drame existentiel énorme. C'était la pire chose qui pouvait m'arriver. C'était énorme, c'était trop gros. Là, j'allais plus être personne. Ma vie de femme était démolie, tout était démoli, je n'étais plus personne. Et pourtant, aujourd'hui, je le raconte avec comme une autre vision. Mais ces visions-là peuvent être simultanées, collées ensemble comme ça. Ça peut se vivre et que la conscience de ça se vit en même temps. Ça ne veut plus dire de plus vivre, au contraire, c'est une invitation à vivre même davantage notre vie, à oser plonger dans l'expérience, à oser y aller, tout en sachant que ce n'est pas ça qui me définit comme tel. C'est ça l'erreur de perception, l'erreur qu'on a, c'est qu'on se définit par le rôle qu'on a, par le rôle qu'on s'est donné en plus, par le rôle qu'on joue là-dedans. Puis en fait, ce qui me définit, c'est pas ça. Ça joue ça. Alors, soyons dans la vie, soyons vivants pleinement. Osons plonger dans les trucs, aller dedans, le vivre. Même si, momentanément, j'oublie que c'est un film. C'est pas grave. Parce que ça se peut, des fois, on est tellement dans l'expérience qu'on oublie que c'est un film et puis qu'on est plongé dedans complètement. Et puis là, après, il y a comme un recul qui se fait où là, ça fait « Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? » C'est pas grave. J'ai vécu une expérience. C'est formidable. Et je reviens ici, je vois ça. Je reviens ici, je vois ça. Et c'est juste comme... C'est sûr que ça fait tomber beaucoup de convictions qu'on a, beaucoup de choses dans nos valeurs qu'on a placées, que ça, ça se fait, ça se fait pas. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ça, c'est tout ce qu'on a placé comme ça, comme étant des croyances, une ligne de vie qu'on s'est fait. Ben oui, ça vient comme transformer notre perception de ça, mais c'est parfait, c'est très bien en fait. Parce que tant que je tiens autant à mes croyances, à mes convictions, c'est comme je reste dans un petit fuseau comme ça, plutôt que de vivre ma vie comme ça. Imaginez, il y a toute cette panoplie, hein? On le voit dans les films, là. On voit dans les films, il y a toute cette panoplie d'expériences qui existent dans le monde. Puis nous, on se limite à cette petite expérience-là parce que si je n'ai pas ça, je ne serai pas personne. On est ça. C'est ce que nous sommes, ça. Alors, goûtons toutes ces textures-là de ce que nous sommes, de ce qui est là, dans cette conscience-là, de ça. Qui s'expérimente à travers ça. On s'est raconté beaucoup d'histoires. Puis on les a crues. On a cru tout ça. On a donné beaucoup de pouvoir à tout ça.
Et en fait, j'ai rien de ça à quitter. C'est ça qui est intéressant aussi. Et je pense que t'en vis aussi l'expérience, Alice, de voir que le simple fait d'en parler, c'est comme si on avait encore cette croyance qu'on devait travailler là-dessus, qu'on devait travailler sur quelque chose. Mais en fait, on voit bien ensemble, dans cette expérimentation qu'on fait, qu'il n'y a rien à quitter. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à guérir, il n'y a rien à nettoyer. Il y a à revenir ici, le plus souvent possible, à se souvenir qu'ici maintenant, c'est la seule réalité qui soit. Et plus ça s'installe ici, plus tout ce qui n'est pas ça disparaît. Alors nous, on a essayé de faire disparaître ça pour que ça apparaisse. Et là, on est en train de vivre l'expérience inverse, de dire, plus j'installe ça, plus tout ce qui n'est pas ça disparaît. J'adore ça. Et ça, c'est vraiment la simplicité. Moi, j'ai des années de travail sur soi. Est-ce que c'est ça qui a aidé? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est pas nécessairement ça. Je trouve que plus ça se redresse et revient ici, plus tout ce qui n'est pas ça n'apparaît plus, tout simplement. Ou quand ça l'apparaît comme étant d'une vie tellement ancienne que c'est presque surprenant de voir que des choses comme ça, quelquefois anciennes, apparaissent, puis de réaliser que ça n'a plus de prise sur nous. Ou de même imaginer que j'ai pu déjà croire ça. Ou m'identifier à partir de ça. Ça fait comme étrange. Ça veut dire que ce que j'ai mis des années à vouloir travailler dessus, avec acharnement, et qui me collait à la peau qui ne voulait plus partir, tout à coup, n'est plus là. Sans que j'ai bataillé avec quoi que ce soit, c'est juste plus là. C'est étrange. Ça fait une sensation tellement étrange. Et à la fois, on voit à quel point c'est tellement naturel et tellement ça. Tant que je mets mon attention sur quelque chose, je le fais vivre, je le fais exister. Tant que je mets mon attention sur ça, je le fais vivre, je le fais exister. Mais dans ça qui contient tout, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de résistance. Il y a cet émerveillement de la vie qui se vit, puis de « wow ». C'est un changement de vision radicale. C'est de passer d'une vision trouble de colère et de souffrance et de perception à une perception qui est aimante, détendue, bienveillante. Et tout ça sans que rien à l'extérieur n'ait changé. Alors on peut voir à quel point tout ça, ça se raconte juste ici. En fait, tout ce cinéma, tout ce jeu... Elle a dit que, il m'a dit que, il a fait ça, ça l'a fait ça. Là. Tout ça, c'est un scénario qui se passe en circuit fermé.
Alors, nous sommes l'auteur, l'acteur, le concepteur, le... tout dans ce circuit. En fait, ça ne nous quittera jamais. Nous, on cherche que ce qui est là ne nous quitte jamais, quel que soit ce qui est là. Mais ça va toujours nous quitter. Tout ce qui est là, ça va toujours nous quitter. Nos croyances, nos pensées, les personnes, les situations, les lieux. Parce que tout ça, ça passe. Il y a une seule chose qui ne nous quittera jamais, c'est ça. Et c'est ça qui fait qu'on revient là. Et moi, je trouve que c'est ça la grande beauté de ce qu'on fait ensemble, c'est de reconnaître ça en soi. Et de voir qu'au-delà de toutes ces histoires qui jouent, ces films qui jouent, puis qu'on rentre dedans, puis qu'on ne se souvient plus, il y a ça quand même qui est là. On vient écouter ça en soi, cette sagesse en toi qui sait, et comme attirer à se reconnaître. En fait, c'est ça qui se passe. Cette sagesse en toi, c'est ça en toi qui sait profondément, a envie de s'entendre et de se vivre. Et là, l'occasion, elle est là de dire, ah oui, il y a quand même ça qui est là. Oui, il y a l'histoire, il y a le film qui joue, puis c'est fort, puis ça me prend. Il y a quand même ça qui est là. Et si j'écoutais ça pour voir? Et si je m'abandonnais en ça? Et si je faisais l'étoile, puis que je me laissais flotter, porter par ça? Qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que je peux expérimenter ça? Est-ce que j'ai assez confiance, en fait, pour me laisser être portée par ça? Et tu vois, à la fois, peut-être que ça a peur que si ça fait confiance à ça, ça va perdre ça. Mais en fait, en vérité, plus ça va faire confiance à ça, plus ça va voir qu'il n'y a rien à perdre. Parce que ça ne t'a jamais appartenu. Juste dans l'illusion. Et que plus je peux ouvrir la main, ouvrir les bras et faire confiance que je suis portée, aimée en sécurité, plus tout ça m'apparaît. C'est comme plutôt que d'avoir le raisin sur la grappe, j'ai la grappe et la vigne entière. Alors, tu vois comment on passe d'une vision limitée à une vision illimitée. Est-ce que moi, j'honore et que je trouve beau de là, tout ça? C'est la force de ça qui veut prendre sa place. Et ça, c'est tellement magnifique, là. C'est comme au-delà du personnage, au-delà de ma volonté, au-delà de tout ça, il y a la fleur qui veut pousser dans le béton. Et qui, de toute sa force, va jaillir de toute façon. Et c'est pour ça qu'on est là ensemble et qu'on se rassemble. En fait, on n'apprend rien, rien de nouveau. On ne fait que se rappeler ce qu'on sait déjà et qu'on a recouvert par toutes nos histoires, nos expériences.
Et c'est bon de se souvenir ensemble de ça. De se rappeler l'essentiel, de se rappeler ce que nous sommes. Parce que dans le quotidien, c'est tellement pris dans tout le rôle, la situation, le contexte, que on voit à quel point que ça s'oublie rapidement. Et pourtant, ça, c'est toujours là. Et des fois, ça fait des actions plus fortes que nous, ou ça fait ça, sans même qu'on le voit. Ça s'inscrit à une rencontre, c'est là. Puis là, ça fait comme... Mais il y a ça qui veut tellement